voilà un soldat américain. Comme nous le savons tous, les soldats américains combattent pour la paix dans le monde et la démocratie. Je vais vous montrer quelques exemples de leur démocratie. Voilà Nagasaki, une ville japonaise où il y a partout de la monarchie et de l'inégalité. Ces hommes vivaient tristes. Mais les Américains arrivèrent pour sauver la situation. Et voilà, Nagasaki est sauvé de la monarchie. Les gens poussent des cris de joie, enfin des gémissements, et hurlent « Vive le capitalisme !» Voilà le Vietnam, un pays communiste qui croit vraiment dur à ce communisme. Mais les Américains arrivèrent et rendirent démocratique et capitaliste ce pays. Les Vietnamiens étaient fous de joie. Mais le meilleur exemple reste l'Irak. L'Irak est un pays gouverné par Saddam Hussein, un tyran qui tue tous les jours des centaines d'hommes et de femmes, sans oublier les enfants et les vieillards. Les Américains décidèrent glorieusement d'arrêter ça. Alors, ils bombardèrent Bagdad pour trouver Saddam Hussein. Des mois de recherche, ils ne trouvèrent pas Saddam Hussein et ses armes de destruction massive. Ils essayèrent donc de prendre des Irakiens et de les interroger avec une aimabilité et une patience impossibles à trouver ailleurs. Il est où Saddam Hussein? Je sais pas moi. Tiens, allez, au suivant. Oh, moi je sais pas où il est Saddam Hussein. C'est ça. Lance la... Quoi? Il est où Saddam Hussein? Voilà la démocratie américaine. Mais maintenant, quel sera le prochain pays démocratisé par les Américains? Sera-t-il l'Iran, la Syrie, la Russie ou un autre pays? Mais nous sommes ici pour rappeler que les Américains, heureusement qu'ils sont là pour instaurer la paix et la démocratie dans le monde. Petite anecdote de l'auteur, je suis tout à fait d'accord que Saddam Hussein était un vrai tyran. Merci.